place piétonne divise toujours les commerçants lillois. La municipalité souhaite transformer la Grand Place en zone prioritaire aux piétons. La vitesse des voitures sera limitée alors à 20 km/h. Bien sûr, des travaux d'aménagement de la chaussée sont nécessaires, mais ils ne devraient pas démarrer avant 2011. Une partie des commerçants du centre-ville est contre ce projet. Ils craignent notamment une baisse de la fréquentation. Plus d'explications au micro de Frédéric Regnault. On nous a présenté la zone de rencontre, elle devait être Grand Place. Aujourd'hui, donc, dans le compte-rendu de la municipalité, on s'aperçoit que c'est une Grand Place qui s'est très très étendue en fait. Hein, parce que donc elle va démarrer tout au bord de la rue Nationale, faire le tour de Grand Place, concerner également la rue de Paris, la rue de la Clé, toute la rue de Pelletier, notre rue Escarmoise et la rue du Curé Saint-Étienne. Et ce qui me fait peur, moi, c'est surtout que quand vous regardez cette zone de rencontre, c'est que les parkings qui sont au cœur de notre ville, en fait, hein, le parking Grand Place, le parking Carnot et le parking Nouveau Siècle sont au cœur de cette zone de rencontre. Donc les voitures auront forcément des problèmes d'accès parce que ça va bouchonner.